Depuis le 11 juillet, les téléspectateurs fans des Marseillais ont pu découvrir Si est la famille. Le nouveau programme diffusé sur 6 Play réunit plusieurs candidats emblématiques de l'émission culte de W9, dont Julien Tanti, Manon Marceau, Thibaut Garcia, Jessica Thivenin ou encore Maëva Guénard. Tout ce beau monde figurait dans la séquence qui a valu à Manon Marceau, rouillée avec Laura Lampica, les foudres des internautes mécontents. Alors que Maëva, Manon et Julien étaient invités chez Thibaut et Jessica, le roi des problèmes a commencé à évoquer les projets de travaux de sa bien-aimée, qui le laisse dubitatif, ce que tu ne sais pas, si est-il que les travaux, si est-il le prix d'une maison. On casse tout, a-t-il tenté d'argumenter. Manon Marceau n'a pas démordu de son opinion et a tenté de la défendre, envers et contre tous. Tu fais quoi? Tu vas me monter les nerfs devant tout le monde? Si est-il le prix d'une maison? Donc 300 000 euros si est-il le prix d'une maison? A-t-elle déclaré, comme pour sonder la vis de leurs amis présents. Manon Marceau n'a plus trop la notion de l'argent, selon Thibaut Garcia. Malheureusement pour Manon Marceau, elle n'a pas obtenu la réponse qu'elle attendait de la part de ses amis, qui ont soutenu la vis de Julien, affirmant que 300 000 euros pouvait bien correspondre au prix d'une maison. Si est-il le prix d'une maison 300 000 euros? Vous n'avez plus la notion de l'argent. Si est-il le prix d'un appartement en France? Oui, a-t-elle renchéri face au désaccord de ses amis. Plus tard face à la caméra, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia sont revenus sur cette séquence. Le couple a témoigné de son étonnement, face au parti pris de Manon Marceau qui l'a laissé perplexe. Elle dit que 300 000 euros ce n'est pas le prix d'une maison. Mais si, je pense qu'elle n'a plus trop la notion là, se sont-ils amusés à l'écran. La séquence n'a pas tardé à faire le tour du web, suscitant tantôt l'amusement, tantôt l'indignation des internautes. Elle ne connaît pas la valeur de l'argent, peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux, à propos de celle qui avait lancé une petite pique l'air de rien sur la JLC Family.